Voilà notre lieu pour la soirée. Donc là, on va aller se baigner un petit peu, parce qu'il a fait 41 toute la journée. Donc là, on va vite aller poser le cul dans l'eau. C'est bien mérité. N'est-ce pas, Aiden? Tu vas te baigner? Oui. Allez, à tout de suite. Bon allez, l'eau elle est méga super bonne. Elle en est même chaude. C'est incroyable. On est remonté dans le nord en espérant qu'on aurait moins chaud. Il est 18h30, il fait encore 41 degrés. Et l'eau elle doit être pas loin de 28-29. Franchement, excellent. Elle est bonne, Aiden, l'eau? Elle est bonne, l'eau? On a pied super loin en plus. Donc la vue sur le château, tout en haut de la colline là. La voiture au fond là, face au lac. Franchement, on va être bien calé tout à l'heure. Comment il va ma petite grenouille? Ça va? Oui. Elle est bonne, hein? Oui. Rien qu'elle est bonne, l'eau. Oui. Hey, coucou. Coucou. T'as vu un peu, c'est nous. Coucou les abonnés. Donc voilà, là on est dans le lac, au frais, enfin au frais, faut vite le dire. Hein. Au frais. Il fait 41 dehors et dans l'eau il doit faire au moins 29-30. Mais bon, ça fait du bien quand même. Après une grosse journée de route. Donc là on est là. On n'est pas très loin de Huesca. Donc avec le superbe lac. Allez, à tout à l'heure. On va bientôt aller préparer le repas. Et voilà, c'est l'heure de l'apéro. Il déboule vite, hein. Et c'est l'heure de l'apéro. Bon, allez, on prépare le repas. Ce soir, c'est des pâtes à la carbo. On va se péter le bide. C'est sympa, toi. Non? Voilà. Allez, une petite léchouille de vin blanc. Non, il faut ce qu'il faut. Hein. Là. Là, je suis allé se mijoter. Bon, pendant que ça cuit, on va attaquer l'apéro. Regardez-moi le coin qu'on a, sérieux. Regardez-moi ça, avec la vue au lac, sur le lac là. Franchement, on est vraiment bien calé. Là, ça va trop faire. Et voilà, des bonnes pâtes à la carbonara. On va se régaler. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se faire une petite randonnée, on va aller voir le barrage de Bierge et surtout le canyon qui est juste au-dessus pour une après-midi baignade au frais parce que là il fait encore très chaud. Donc voilà, à tout à l'heure dans le canyon. Voici le barrage de Bierge,
C'est un endroit que je connais très bien. D'habitude, on y vient en période, c'est septembre, début septembre. Et là, il est fin août et je n'ai jamais vu aussi bas. D'habitude, on peut sauter et tout. Là, il y a tellement peu d'eau qu'ils ont bloqué l'accès avec la ligne blanche qu'on voit là. On ne peut pas sauter. Il y a vraiment un gros, gros manque d'eau. Bon, après, ça reste quand même très, très joli. Regardez comment l'eau est claire. Donc, du coup, ben, on va monter comme prévu plus haut dans le canyon. À de suite. Allez, on va traverser pour aller atteindre le canyon. Du coup, on doit traverser là pour pouvoir remonter le canyon plus haut. L'eau, elle est cristalline, elle est super belle. Par contre, elle a l'air fraîche apparemment. Elle est fraîche, hein? Elle est fraîche? C'est joli! Mais non! Coucou, est-ce que c'est bien ici? C'est cool? Magnifique. Et saute, saute. Attends, il y a un plonge. Oui. Allez, on arrive. Alors, on est enfin arrivé au canyon, ça fait 2 heures de marche dans l'eau pour enfin arriver à cet endroit où on va pouvoir se baigner, profiter et sauter. Voilà, on va bien s'éclater. Magnifique ce canyon. On va le trouver. Ouais, 2 heures de marche. Plus on avance, plus c'est beau. C'est hallucinant, c'est magnifique. L'eau elle est super fraîche, ça fait trop du bien. Regardez-moi ce petit coin de paradis.
qu'est-ce qu'on veut de plus? De l'eau, du soleil, l'eau elle est super bonne. Franchement c'est vraiment top. Oh putain. Allez. Allez Aiden, sortez de là. C'était bien? Il t'a pas fait mal? Il a pris un plat. Moi aussi j'ai pris un plat. Bah oui, en fait t'as pas sauté. C'est lui, il a pas c'est lui sauté. C'est Lucas qui t'a tiré. Vas-y, allez toi. C'est bien. Bah alors, vous avez pensé quoi du canyon? C'est cool, hein? C'est vraiment beau, ici. Un super canyon. Bon, mais vous verrez dans la vidéo. Bon, mais nous voilà, on vient de passer la frontière française. C'est bientôt le retour pour nous, ça nous fait chier. C'est le cas de le dire. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment bien. On a passé quasiment 15 jours là, super. Vraiment au top.